Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo test de team. Et oui, après enfin avoir droppé le Thales Agilité, en plus 3 doublons les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle était monstrueuse lors donc du coup de l'invocation du portail SSJK TLR Vegeta. Je vais enfin pouvoir faire un petit test de team de cette catégorie avec bien évidemment Thales en leader, hein, parce que j'avais j'ai Broly LR, Tech, mais c'est que 100%. J'ai le Broly Endurance du film Super, mais voilà, c'est pas non plus Thales. Donc du coup voilà, en boss de film avec Thales, on va voir ce que ça donne les amis en boss rush 2. Donc je vais vous présenter la team que j'ai choisie. Alors forcément, le Thales les amis, le beau gosse. Qui plus 3 points de vie attaque et défense 150% pour la catégorie boss de film. Attaque plus 4, qui plus 3 et attaque plus 40% pour les alliés. Il debuff, attaque il def moins 15% pour les ennemis de classe super. La transformation qui proc si les PV sont à 80% ou moins, mais il a seulement 25% de chance de pouvoir la proc, la transformation. Donc c'est quand même chaud, 25%, mais voilà, ça reste excellent. À côté, son meilleur frérot. Et oui, Talesu Ozaru. Pourquoi c'est mon meilleur frérot, les amis? Donc lui, pareil, il est excellent. Parce que tous les deux, ils ont la chance moyenne de stun. Mais c'est surtout grâce au terme de lien de ki. Donc lui, il a attaque plus 90%. Voilà, c'est bien ça. Attaque avec, si ki à 9 ou plus, il a attaque plus 90%. Et la chance de moyenne de se transformer en gorille 2 fois. Mais en termes de lien, les amis, c'est son meilleur frérot. Tous les deux, l'un à côté de l'autre, et c'est la rotation que fera. Ils peuvent monter, jusqu'à 80%. Je vais expliquer de base. De base, ça va être 55 quoi qu'il arrive. Ils ont le lien destructeur d'univers, attaque plus 25%. Ils ont le lien ambition de conquête, attaque plus 15%. Ça fait du coup attaque plus 40%. Le lien combat acharné, plus 15% également supplémentaire, ça fait attaque plus 55%. Et si le lien boss actif, comme vous savez, si les PV sont à 80% ou moins, attaque plus du coup 25% supplémentaire, ça fait attaque plus 80%. Vous voyez, c'est un duo monstrueux sur la scène d'Okan. Attaque plus 80%, on n'en a pas beaucoup qui vont jusqu'à là. Donc voilà, excellent à jouer à côté. Le Broly LR qui rentre dans cette catégorie post de film, pardon, qui est juste oufissime, quoi, vous savez. Attaque et def plus 90% lorsqu'il part en attaque spé. Il a attaque plus 55% supplémentaire lors d'une attaque spéciale. Il attaque attaque supplémentaire également devant en face de deux ennemis ou plus. Il proc la transformation, attaque plus 48% dès que, pardon, il a l'active skill, qui est plus 24. Il a attaque et def plus 100% une fois transformé, après 4 tours sans condition. Donc oufissime, il a attaque plus 80% également encore supplémentaire, enfin il a des attaques partout lui, il dégomme le jeu. À côté, nous avons le fameux métal, l'armée de métal couleur, hein, 100% free to play. Donc lui, pareil, plus les PV sont élevés, plus l'attaque et la défaut augmente, ça se stache à 90%, donc oufissime. Pareil, garantie 2 attaques supplémentaires. À côté de lui, le frérot, le métal couleur agilité, excellent également, attaque et def plus 80%. Il a attaque plus 10% supplémentaire à chaque attaque encaissée et du coup ça se stache qu'à 90%. Il récupère 7% des PV à la fin du tour. Donc voilà, oufissime, rien à dire. Et le dernier, le fameux métal couleur également, endurance, attaque def plus 100% les amis, et garantie 2 attaques supplémentaires, pareil. Donc voilà, on va le tester en boss rush de voir ce que ça va donner, mais autant vous dire que la chip elle va être, à mon avis, pété de chez pété. Ah. 477 000 PV, on approche aussi des 500 000. Cette team là, franchement, waouh. Alors, mon leader, il a 3 doublons. L'ami leader, il est 100%. En termes de PV, on est vraiment pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. On va jouer ça comme ça. Ouais, c'est tout ça pour Broly après. De dégâts. Bon chip en plus. Hein, l'avantage sur la classe. 502 000, voilà, chance moyenne de stun, on a déjà stun. Du coup, bim. On est déjà tranquille pour la première phase, même c'est super simple. Oh, dommage pour lui.
Et on va l'envoyer à la fin de la rotation. Ce que je vais faire, c'est que Broly, j'aurais bien aimé... voilà, lui donner tout ça. Bon, franchement, une excellente team extrême, hein, basée surtout sur le lien ambition de conquête, boss, peur et désespoir. Donc voilà, ça se lit vraiment très très bien. Quand vous avez les bonnes rotations après. 1 000 000 nerf, le buster verrouillé là. Oh, 1 414 100 crit, ce Broly LR Tech. Qu'est-ce qui fait mal? Ah, c'est marrant ça. Hop, forcément, comme lui ensemble, les deux, ils donnent qui plus 3 et attaque plus 40% pour les alliés. Bah voilà, ils sont 100% hein, tous les deux. 2 400 000. Ah ouais, voilà, déjà la transformation de Broly en plus. Tant qu'à faire, déjà 4ème tour. Le beau gosse. Ah, ça m'embêterait de le faire tout de suite parce que là je devrais casser la rotation. Il faudrait bien que Broly soit avec. Alors Broly, il faudrait que je le mette à la côté du deuxième. Du deuxième Talesu, parce que comme ils ont le lien Super Saiyan, l'origine Saiyan. Super Saiyan, je suis pas sûr pour. Mais l'origine des Saiyans. Pourquoi faire ça? Ah, il le terminera avant. Alors, on va faire c'est ça. On va l'activer. Histoire de se faire plaisir et le voir. Mais ils ont même pas encore la voix, alors ça sert à rien de la mettre, je suis dégoûté. Ils ont eu là. Là, il va faire très 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 mal, c'est lui qui l'a... S'il le termine pas... Métal couleur, là... Ça va. Oh, mec, ses attaques sup, j'avoue. Je crois qu'il repart en attaque spé. Ouh, un poids. Bah ouais, mais il le terminera, l'autre. Mais bien sûr que oui. C'est pas grave. C'est à prévoir. Donc là voilà, on a la rotation courte les amis. Regardez-moi ça. Donc, allez. 114 000 avec couleur. Et à côté, 136 000. Là, leurs liens ils sont excellents. Les Talesu Zaru, ils sont 92 000 à 110 000. Son meilleur frérot. On n'est même pas en dessous de la barre des 80%, on aura du mal, je pense, à l'atteindre. Il est top ce Thalès. Dire qu'il me fuyait après autant d'années. Et maintenant il arrive et 3 doublons directs. 2 millions. Regardez ce qu'on se tape. 1 307 000. Nos arbres. Bon, allez, 100%, mais quand même 1 300 000. 4 100 000. L'ami, c'est que 150% en plus, hein, les leaders, ils offrent. Enfin, c'est même pas 170, hein. Mais si c'est 170, pète le jeu, lui aussi, hein. Mais avec la team Saiyan 200 pure, ça y est, c'est fini, hein. Ouais, je l'envoie une Broly. Terminera donc pas besoin de. Ah, elle est belle cette team. Franchement, j'aime de plus en plus jouer les classes extrêmes. Je vous jure, ça change. De toute façon, j'aimais déjà à la base. C'est plaisant. Ça change de la team super. On a tellement. Là, c'est beau quoi. Oh là là, c'est magnifique. Là, c'est le top, mais pas forcément la bonne orientation. Là, 136 000. Vous voyez, donc il a. Ah, il a pas l'origine Saiyan, dommage, mais c'est pas grave. Il a quand même part au combat.
Et c'est ça voilà, qui fait que du coup le lien proc. Deux millions crit bim dans ses dents. Elle est cheatée cette team. Elle est beaucoup trop cheatée. Ah, j'aurais pas voulu faire hein, tout de suite un. D'aucun mode là. Je vais essayer peut-être Broly pour la transformation. Cent mille, elle est monstrueuse. Foule, qu'est-ce que je vous dis? Ah là, il va faire très très mal. On a perdu 90 000 quand même. Pas mal ça. Ah, c'est pas mal pour le lien boss. Il faudrait pas perdre encore un peu. 2 790 000 sans crit quoi. Du cheat. Ah pour lui, il va l'arracher. Ça a donné quoi en termes de lien? Super. Super. C'est dommage que hop, voilà. Ah, elle est excellente cette team boss. Franchement, waouh. Ah, moi, tu viens de remonter. C'est trop. Il va nous le déchirer les amis, avec son attaque plus 88% en SP ultime une fois transformé. Et attaque de plus 100%, 6 244 000 sans crit. 6 millions. Ah, c'est mal quand même. Hein. Voilà, comme ça vous avez un qui peut. Oh, une attaque sup. Une bête. Hein. À mesure parce qu'il faudrait ah, c'est quand même chaud d'aller chercher la transformation 25% mais si on a deux il faudrait perdre pas mal des PV donc il faudrait pas que je parte forcément en SP mais là c'est pas le but c'est quand même voir la puissance de cette team voilà là on a l'excellent Trota sur le côté le deuxième Thalès avec le Broly ça va être top voilà il partira plus facilement en SP c'est ultime pardon. Il part déjà facilement, mais on se peut ultime. 37 000 crit. Non, stun, pardon. 1 million 8. Ce Broly, il est vieux. Alors, à partir de un doublon, ah, il doit déchirer tout ce qui est aux alentours, il le déchire. De PV, 10 quoi, perd 10 de dégâts, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais à chaque fois ils stunnent presque. Chance moyenne, ils ont tous les deux chance moyenne de stun, donc c'est génial, ça qui est top en plus dans la rotation, les uns à côté de l'autre. S'il y a un rate, peut-être l'autre il peut proc, c'est ça qui est top. C'est comme si en fait on avait une attaque sup,
Et c'est qui est génial. Faut le voir comme ça. Si vous avez le premier qui n'a pas réussi à stun, peut-être le deuxième y arrivera et là sera génial. Je pense moyen de détourner tous les deux. Autant ils sont violents, ils ont quoi qu'il arrive, j'ai attaque plus 55%. Non, franchement, monstrueux. Voilà la bonne rotation pour eux. Si je fais ça comme ça. Voilà, éviter. Alors là, Broly, il va se faire plaisir en attaque sup, les amis. Comme vous savez, plus il y a des nids, à partir de deux ennemis ou plus, il attaque deux fois. On a l'impression de voir que je vois que des 10 là. Ouais, fais-toi plaisir, Broly. 4 960 000. Il a pas de doublon, je rappelle. Hein. C'est assez... On voit le KO là. Il est dégomme. Attaque sub. Il y a de l'attaque sub. Il y a du stun. Il y a tout ce qu'il faut, mes amis. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, peut-être qu'il manque du blocage d'attaque SP, mais c'est pas... Voilà, avec tout ce qu'on a, on n'en a pas forcément besoin, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, Metal Cooler qui passe facilement SP grâce au Ki plus 3 de Thales, mes amis. Et attaque plus 40% en plus. Non, franchement, il est complet, Stalé. Il est complet. Il debuff, il stun, excellent support. Alors, Lazaro, on a la chance de ne pas avoir proc de transformation. 2 400 000, les amis. En crit sur le mauvais chip tech. Il agit. Il le stun. Excellent, Lazaro. Et comme je vous expliquais, en plus, on n'a même pas encore eu la chance, entre guillemets, tant mieux, de proc ces deux transformations qu'il peut avoir en gorille. Oh, c'est... Je voulais que je vous dise. Donc, comme ça. C'est cheaté. Il reste de le terminer là. C'est trop. On leur laisse pas la chance là. C'est magnifique. Cette bosse de film, je la kiffe. Voilà pourquoi je l'attendais avec grande impatience, les amis. Voilà pourquoi j'attendais ce Thales avec grande impatience, malgré d'avoir le Broly endurance du film. Pour moi, c'est pas Thales, quoi. Pas Thales. Il a son meilleur frérot à côté de lui, donc c'est d'autant plus puissant. C'est pour ça qu'on veut le choisir. C'est d'autant plus puissant. Imaginez, attaque plus 80% sans la synergie encore des boosts et... Des leaders, un support, c'est trop. On n'a même pas le temps de laisser aux ennemis de nous... De nous faire descendre nos PV tellement en plus on les stun, on les one-shot. Bon, après c'est peut-être certes c'est une rush 2 mais c'est histoire d'aller vite quand même. On peut pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Mais ça serait vraiment quand même de rien je pense à tester. À tester en boss rush 7. 8004. Je sais pas quoi vous dire. Transformation pas un Broly classique de Gohan. Oh. Oh là là, on va se faire plaisir. Alors là. Faudrait pas qu'il le one shot. Ah mince, il partira en. J'aurais dû pas faire ça. En token mode, il risque de le.
démonté. 334 000 Broly quand même. Qu'est-ce que je fais? Je fais le Dokkan Mode ou quoi? Ah, tant pis. Allez. Broly, on a déjà fait son showcase. Là, c'est celui de Thalès. À combien? 1 million 500, ça va. Sans crit. Oh, Dokkan Mode, pourtant, les 3 doublons. Bah, c'est Broly qui va le terminer. Hein. Malgré que c'est le mauvais chip, 1 700. À 4 000, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah, excellente voilà, catégorie, franchement, à peu près quoi, 17 minutes pour la faire, je pense. Quelque chose comme ça, à quelque chose près. 16 ou 17 minutes, je pense. On s'en foutait du temps, le temps de 16 minutes 39, c'est pas long, mais voilà. Excellent, team. Donc voilà, si vous savez pas comment la composer, ben, n'hésitez pas à regarder donc la composition que je vous propose, qui vous avez bien vu, juste oufissime. Bien sûr qu'il y a d'autres unités qu'on peut joindre, mais je trouve que celle-ci, voilà, en termes de synergie, de lien, tout est monstrueux. En tout cas, voilà, si vous avez le Thalès Ozaru, il faut à tout prix le jouer avec le Talifo pour augmenter le nombre. Son attaque en termes de stats, c'est leurs attaques de façon respective, bien évidemment. Donc voilà, les amis, bah écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé le contenu et pour continuer à me suivre pour les prochaines vidéos que je posterai. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!